Père et du Fils et du Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est une joie de commencer ensemble le carême, de se mettre en route vers Pâques. Notre cathédrale est froide, mais j'espère que notre célébration sera chaleureuse. Tout à l'heure, nous nous présenterons en vérité, avec notre fragilité, notre faiblesse, symbolisée par ces cendres que nous allons recevoir sur notre front. Le feu s'est un peu éteint et nous demandons, pendant ce carême au Seigneur, de rallumer la flamme de son esprit au cœur de nos vies. Nous savons aussi que nous pourrons faire cette démarche personnelle pour célébrer le sacrement de pénitence et de réconciliation, pour se situer en vérité devant Dieu, mais aussi pour entendre sa parole de pardon, sa parole d'amour qui nous réouvre toujours l'avenir. Préparons-nous maintenant à entrer dans cette célébration en priant le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par un temps de prière et de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur, votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait, il pourrait revenir. Il pourrait renoncer au châtiment et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourrez présenter offrande et libation au Seigneur votre Dieu. Sonnez du cor dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudra-t-il qu'on dise : Où donc est leur Dieu ? Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Miséricorde.
pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur, et ton salut. Je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché. Ce que j'ai de mal à tes yeux, je l'ai fait. Que vienne sur moi. Et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur. Et ton salut selon ta parole. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche annoncera ta louange. Que vienne sur moi ta miséricorde, Seigneur, et ton salut selon ta Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateur de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur.
soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout, dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, entrer en carême, c'est se remettre en route avec le Christ. C'est prendre comme compagnon de route celui qui nous appelle et qui dit à chacun « Viens, suis-moi ». Cet appel, c'est celui que Jésus a adressé à André, à son frère Simon-Pierre, à Matthieu, à ses apôtres. Cet appel, c'est celui qui retentit au cœur de toute vie baptismale, de toute vie chrétienne. Oui, le Seigneur nous demande de prendre la route de la vie avec lui. Mais reconnaissons que cet appel du Seigneur, souvent, dans nos existences, il est un peu amorti. Parce que nous sommes occupés par beaucoup de choses. Nous avons nos études, nous avons notre travail, nous avons nos activités. Nous sommes distraits par aussi beaucoup de choses qui passent par notre esprit. Et c'est vrai que, finalement, nous ne sommes pas toujours à l'écoute de cet appel du Seigneur. Nous ne sommes pas toujours attentifs à rejoindre le Seigneur. Et je trouve que c'est bon que l'Église nous propose ce temps, qui est le temps du carême, où justement nous nous arrêtons, où nous faisons le point, où nous nous remettons à l'écoute du Seigneur et nous écoutons sa voix
Et nous voulons finalement faire la volonté du Seigneur sur nous. Et nous prenons du temps pour ça. Voilà. Je crois que c'est ça l'enjeu du carême. C'est cette marche vers Pâques avec une intimité du Seigneur, une écoute du Seigneur renouvelée. Vous allez me dire, mais ce chemin avec le Christ, quel est-il? Je crois que fondamentalement, ce chemin auquel le Seigneur nous invite, c'est un chemin de conversion. Vous savez qu'au début de l'évangile de Marc, quand l'évangéliste veut résumer ce qu'est la prédication de Jésus, il dit ceci, Jésus disait, le règne de Dieu s'est approché de vous, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voilà. C'est d'ailleurs exactement ces mots qui seront dits sur le front de chacun au moment de recevoir les cendres. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Voilà. C'est l'invitation que le Seigneur nous fait. Et vous savez que la conversion évangélique a un sens bien particulier. Nous, dans notre langage courant, la conversion, c'est souvent changer de croyance, changer de religion, se convertir à une nouvelle religion. Alors que dans l'Évangile, la conversion, c'est le retournement intérieur. Voilà. C'est le travail que l'on fait en soi, sur soi. Et donc, le Seigneur nous invite tout particulièrement, pendant ce temps du carême, à faire ce travail de conversion. Parce que cette route que le Seigneur met devant nous, cette route, c'est un appel au décentrement de soi. Celui qui veut gagner sa vie, dit Jésus, la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et à cause de l'Évangile, celui-là la trouvera. Voilà. Cela suppose toute une attention aux autres, toute une attention à Dieu. Alors que souvent, finalement, nous sommes très centrés sur nous-mêmes. Voilà. Et donc, nous sommes invités justement à vivre ce décentrement. À vivre aussi cette attention à Dieu qui est présent au cœur de nos vies. Je suis frappé de voir que dans nos existences, nous voulons répondre au Seigneur, mais finalement, nous sentons bien qu'il y a en nous un certain nombre de résistances. Ce n'est pas forcément des boulets aux pieds que nous avons, c'est des fois des fils à la patte. Mais nous sentons bien que notre liberté n'est pas complètement libre. Pourtant, le Seigneur nous a dit, c'est à la liberté que je vous appelle. Le Seigneur vient libérer notre liberté et il nous dit, l'Esprit vous rendra libre, libre pour aimer. Et nous sentons bien que cette libération, elle a encore finalement à s'effectuer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui conditionnent notre liberté si nous regardons notre vie. Et c'est vrai que le carême, c'est un temps où nous refaisons le point devant le Seigneur. Il y a des addictions aussi qui peuvent nous marquer. Addiction à l'alcool, addiction à l'argent, addiction à la drogue, addiction au sexe ou à la pornographie. Ça peut être aussi, j'allais dire, un certain esclavage, une volonté de réussir à tout prix, même en écrasant finalement les pieds des autres. C'est aussi un conditionnement qui est le nôtre. Nous sommes des fois finalement très marqués, et ça conditionne nos libertés par l'image que nous voulons donner de nous-mêmes, c'est par nos peurs, c'est
par nos rancœurs, par nos jalousies. Je crois qu'il y a tout ça qui nous marque et qui fait que notre liberté n'est pas complète. Voilà. Je crois que l'enjeu de la conversion auquel nous invite le carême, c'est justement de demander au Seigneur la grâce de cette libération. La grâce de changer de vie, ou en tout cas d'apprendre à changer de mode de vie. Voilà. Alors cette conversion, bien sûr, ne croyons pas que c'est à la force du poignet que nous la réaliserons. Ce n'est pas uniquement par notre bonne volonté, ce ne sont pas par les bonnes décisions de carême, bonnes résolutions que nous prenons, qui souvent d'ailleurs ne durent que la première semaine. C'est en fait le Seigneur qui nous convertit. C'est son esprit qui touche nos cœurs. Et donc le temps du carême, c'est fondamentalement ce temps où nous nous laissons travailler par le Seigneur, où nous nous rendons disponibles au Seigneur pour que le Seigneur, j'allais dire, nous conduise et nous transforme petit à petit à son image. Voilà. Nous fasse vivre de l'esprit de l'Évangile. C'est pour cela que, d'ailleurs, pour nous rendre disponibles à cette action du Seigneur, que l'Église, traditionnellement, nous propose trois moyens. Trois moyens qui sont peut-être à dépoussiérer, mais qui sont des moyens fondamentaux. D'ailleurs, ce qui me frappe, c'est que ces trois moyens, bien sûr, sont au cœur de la foi chrétienne, mais nous les trouvons aussi dans d'autres religions. Donc, les hommes pressentent qu'il y a des choses décisives pour notre vie spirituelle qui se jouent à travers eux. C'est la prière, c'est le jeûne et c'est l'aumône. La prière, c'est le temps du cœur à cœur avec le Seigneur. C'est ce moment où on dit à Dieu qu'on l'aime, qu'on remet sa vie entre ses mains, qu'on se met à son écoute. Donc cela suppose que l'on prenne du temps pour Dieu, que l'on dégage dans notre existence certaines plages pour nous rendre disponibles à lui, qu'on se mette aussi à l'écoute de sa parole, qu'on médite l'Écriture. Et je suis sûr que si nous prenons ce temps de nous mettre à l'écoute de l'Évangile, il y aura toujours une parole de Dieu qui nous rejoindra. Dieu éclairera notre vie sur tel ou tel point. Voilà. On n'en ressort pas comme on y était entré. Soyons fidèles aussi à ces temps de rendez-vous que le Seigneur nous donne dans l'Eucharistie, quand il veut habiter chez nous, demeurer chez nous, comme il le dit dans l'Évangile de Jean. Voilà. Faire de notre vie sa demeure. Et s'il y a un lieu où nous recevons le Seigneur chez nous, c'est bien l'Eucharistie. Et puis, vivons ce soir la célébration de ce sacrement de pénitence et de réconciliation pour offrir notre vie au Seigneur, nous situer en vérité devant lui et repartir joyeux avec la force de son pardon. N'oublions pas que Jésus, comme il le dit dans l'Évangile, ne vient pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Donc, c'est pour nous, pécheurs, que Jésus vient ce soir. La prière, mais aussi le jeûne. Alors, vous savez qu'au sens strict, le jeûne nous est demandé le mercredi des cendres. Si vous ne le saviez pas, c'est un peu tard maintenant. Le vendredi saint. Et l'abstinence, c'est-à-dire le fait de ne pas manger de viande, tous les vendredis de carême. Mais le jeûne est beaucoup plus que cela. C'est l'invitation à créer un vide dans le trop-plein de nos vies, à dégager un espace pour Dieu et pour les autres, à prendre de la distance par rapport à tout ce qui entrave notre liberté, dont je parlais un petit peu plus haut.
on peut se poser la question, de quoi demandons-nous au Seigneur de nous libérer? Je crois que ça peut être une bonne question au début du carême. Des gens font des régimes pour perdre du poids et se sentir mieux avec eux-mêmes. Quel régime spirituel allons-nous mettre en œuvre pendant ce carême pour être plus libre et donc plus disponible, plus accueillant à Dieu et aux autres? Parce que le jeûne n'a pas simplement une fonction centrée sur nous, c'est ouvrir un espace, une gratuité, mais pour accueillir davantage Dieu et les autres. Enfin, l'aumône. L'aumône n'est pas que le don de cette piécette, parfois fort utile d'ailleurs, à quelqu'un qui est en situation de précarité. L'aumône désigne tout ce qui est partage, attention aux autres, don de soi et solidarité. Comment, pendant ce carême, puis-je grandir en fraternité, en attention aux autres? Comment puis-je apprendre à devenir le prochain de l'autre, à l'image du bon samaritain de la parabole évangélique? Demandons à Dieu, finalement, ses yeux qui savent voir, ce cœur qui sait toucher, qui sait se laisser toucher, et ses mains qui se tendent et qui savent aider. Frères et sœurs, nous allons recevoir les cendres maintenant. Que cette procession soit pour nous l'occasion d'aller à la rencontre du Seigneur et de prendre avec lui la route qui conduit à Pâques. En terminant, je vous laisse sur ces paroles de ce poète qu'était le père Jean de Bruyne, qui est mort il y a quelques années. C'est un poète, alors il parlait souvent de la route. Et il dit, ce Jésus ne parle dans l'Évangile que de marche. Il n'aligne pas les vérités, ne tient pas de catalogue, ne prend pas de décret. Il s'en tient au bâton, à la ceinture et aux sandales. Tout le reste est pour lui superflu. Donc, bonne route à tous. Amen. Je vous donne à présent quelques indications. Vous êtes invités, nous sommes tous invités à venir en procession pour recevoir l'imposition des cendres, donc devant l'autel. Puis nous nous donnons du temps pour recevoir, ceux qui le désirent, le sacrement du pardon en rencontrant un prêtre. Donc les prêtres s'installent, nous nous installons tout autour du cœur, dans le déambulatoire. Merci de passer sur mon côté gauche et vous allez être guidés par les sacristains, par les séminaristes, pour que vous puissiez rapidement vous approcher d'un prêtre et demander le pardon de Dieu. Pendant ce temps, il y aura des lectures qui seront faites également pour nourrir notre prière. C'est un temps de recueillement. Lors de l'offertoire, lorsque le chant commencera, eh bien, ce sera le signe du ralliement. Les prêtres reviendront dans le cœur, vous également, pour vivre la liturgie de l'Eucharistie.
Frères et sœurs, demandons maintenant au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur mais sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière. Bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Extrait de l'homélie du frère Christian de Cherget du jeudi saint 13 avril 1995. Il m'a aimé jusqu'à l'extrême, l'extrême de moi, l'extrême de lui. Il m'a aimé à sa façon, qui n'est pas la mienne. Il m'a aimé gracieusement, gratuitement. J'aurais peut-être aimé que ça soit plus discret, moins solennel. Il m'a aimé comme je ne sais pas aimer. Cette simplicité, cet oubli de soi, ce service humble et non gratifiant, sans aucun amour propre. Il m'a aimé avec l'autorité bienveillante, mais incontournable d'un père, et aussi avec la tendresse indulgente et pas très rassurée d'une mère. J'étais blessée au talon par l'ennemi commun, et le voilà à mes pieds. Ne crains rien, tout est pur. Comme Pierre, j'ai honte. Il m'est arrivé à moi aussi de trébucher à sa suite et même de lever le talon contre lui, car il y a un peu de Judas en moi et j'ai bien envie de chercher refuge dans la nuit, surtout quand la lumière est là, fouillant mes ténèbres. Par bonheur, il ne regarde que mes pieds et mes yeux peuvent fuir. L'eau qu'il a versée va-t-elle réussir à me faire pleurer ? Moi qui rêvais de l'amour comme d'une fusion de moi en lui, c'est une transfusion qu'il me faut. Son sang dans mon sang, sa chair dans ma chair, son cœur dans le mien, présence réelle d'homme marchant en présence du Père.
Dieu seul peut créer, mais tu peux valoriser ce qu'il a créé. Dieu seul peut donner la vie, mais tu peux la transmettre et la respecter. Dieu seul peut donner la santé, mais tu peux orienter et guider ou soigner. Dieu seul peut donner la foi, mais tu peux donner son témoignage. Dieu seul peut infuser l'espérance, mais tu peux rendre la confiance à ton frère. Dieu seul peut donner l'amour, mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. Dieu seul peut donner la joie, mais tu peux sourire à tous. Dieu seul peut donner la force, mais tu peux soutenir un découragé. Dieu seul est le chemin, mais tu peux l'indiquer aux autres. Dieu seul est la lumière, mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. Dieu seul est la vie, mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre. Dieu seul peut faire des miracles, mais tu peux être celui qui apporte les 5 pains et les 2 poissons. Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible, mais tu pourras faire le possible. Dieu seul se suffit à lui-même, mais il a préféré compter sur toi.
Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. Comment pourrais-je rencontrer et aimer les autres si je ne me rencontre et ne m'aime plus? Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis et non tel que je me rêve, aide-moi à accepter ma condition d'homme limité, mais appelé à se dépasser. Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, mes douceurs et mes colères, mes rires et mes larmes, mon passé et mon présent. Donne-moi de m'accueillir comme tu m'accueilles, de m'aimer comme tu m'aimes. Délivre-moi de la perfection que je veux me donner. Ouvre-moi à la sainteté que tu veux m'accorder. Épargne-moi les remords de Judas, rentrant en lui-même pour n'en plus sortir, épouvanté et désespéré devant son péché. Accorde-moi le repentir de Pierre, rencontrant le silence de ton regard plein de tendresse et de pitié. Si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même, mais sur ton amour offensé. Épargne-moi la tentation de me vouloir parfait. Je ne suis qu'une créature. Apprends-moi à vivre avec mes limites, à te bénir à cause d'elles. Elles sont le chemin qui me conduit vers toi. Elles rabotent mon orgueil en me rappelant que sans toi, je ne suis rien, je ne puis rien. Que ta tendresse me fasse exister à mes propres yeux. Je voudrais tellement déverrouiller la porte de ma prison dont je sers moi-même la clé. Donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi que je peux encore guérir dans la lumière de ton regard et de ta parole. Michel Hugo.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Qui est la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Nous croyons, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut,
et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre, moi-même ton serviteur et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père, le Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, j'invite les étudiants, jeunes, préparer la journée rameau, qui la prépare à venir. En attendant qu'ils nous rejoignent, quelques annonces de la pastorale des jeunes, donc à l'adresse des étudiants ou jeunes pros. La première d'entre elles, pour vous faire rêver un peu et peut-être réchauffer l'atmosphère, c'est la perspective du pèlerinage en Terre Sainte que nous organisons donc avec l'équipe de la pastorale des jeunes, avec le père Bertrand qui est derrière moi, avec Sœur Marie-Valérie et d'autres. Donc, ce projet avance. Les inscriptions sont ouvertes. L'adresse pour vous inscrire est très simple. Elle est à l'intérieur du feuillet que vous avez reçu et que vous allez garder. C'est Terre Sainte 2018. Vous allez sur cette adresse et vous nous écrivez ou vous regardez un petit peu ce qui se passe et vous voyez toutes les modalités de l'inscription. C'est une occasion unique d'aller pèleriner, et même plus que pèleriner, d'aller approfondir eh bien, le sens même de notre vie chrétienne, là où Jésus a vécu. Vous pouvez vous asseoir. Donc, voilà, regardez bien, pensez à ce beau pays, et parlons-en. Alors, nous restons disponibles aussi à la fin de la célébration pour vous informer davantage, ceux qui le souhaitent. Voilà, je laisse à présent la parole. Alors, il n'y a qu'un micro, mais ils sont plusieurs. On va voir comment ils s'arrangent. Voilà, venez. Est-ce qu'on vous voit bien ? Bonsoir. Alors, vous avez dû trouver dans votre feuille de champ une invitation concernant l'événement de la Journée mondiale de la jeunesse à Bordeaux.
je ne sais pas si vous savez, mais le Saint-Père a institué le dimanche des Rameaux comme journée mondiale de la jeunesse, comme un temps où dans chaque diocèse, les jeunes se réunissent pour prier ensemble, se faire enseigner, voilà, témoigner de leur foi. Donc cette année, le dimanche 25 mars, c'est donc le dimanche des Rameaux. Et on vous invite à vivre cette journée avec nous ici à la cathédrale, de 9h30 à 18h. Alors la journée est ouverte aux 17-35 ans. Et alors le programme, voilà, on aura un temps de prière, une catéchèse, des témoignages. L'après-midi, il y aura plus des temps d'atelier, de formation. On va évangéliser sur le parvis de la cathédrale. Et la journée donc se conclura avec la messe des Rameaux autour de nos évêques. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur l'événement Facebook qui sera mis à jour régulièrement. Vous avez le lien de l'événement sur la page JMJ Rameaux à Bordeaux. Et puis sinon, vous avez toute l'équipe autour de moi vers qui vous pourriez aller à la fin de la messe pour, si vous avez des questions. Voilà, merci. Bon carême. Voilà, donc c'est l'occasion de nous retrouver encore ici même, dans quelques semaines, pour entrer dans la semaine sainte, le cœur de notre vie chrétienne. Donc venez nombreux, invités, vous avez aussi les flyers, vous allez les retrouver. Vous allez abondamment retrouver des informations aussi sur Facebook, sauf si vous avez décidé d'arrêter Facebook pendant le temps du carême, mais peut-être que vous allez remédier à cela. Enfin, deux petites annonces pour terminer. Il y a également la kermesse du séminaire. Vous êtes chaleureusement invités à venir soutenir les futurs prêtres de notre diocèse et des diocèses environnants. C'est le 10 et 11 mars. Il y aura la chorale Crescendo qui nous a accompagnés ce soir aussi, qui va chanter. Voilà, c'est rue Saint-Jeunesse. N'hésitez pas à venir. Là aussi, c'est avec vos familles, avec vos amis. Il y en a pour tous les goûts. Enfin, cinq personnes seraient les bienvenues pour donner un coup de main aux sacristains qui gentiment ont tout installé avant la messe pour les aider à ranger, leur faire gagner un peu de temps. Voilà l'occasion de faire un petit effort et très facilement accessible. Donc si cinq personnes ont encore un peu de temps, merci de vous rendre au pied de la Vierge, sur ma gauche, après la bénédiction pour aider nos sacristains. Voilà, nous vous souhaitons un très bon carême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon carême à tous.